Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Voilà, donc aujourd'hui, comme vous constatez, vidéo pour du relooking. Alors je suis désolée, mais ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo relooking. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, bon, ça fait un moment, Quinzelle. En plus, j'aime bien faire ce genre de vidéos, j'aime bien quoi, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on s'y met. Et du coup, ben, j'ai tiré Layla. J'espère que je prononce bien. Et du coup, on va lui faire un look. Donc, j'ai vu dans ses commentaires qu'elle avait pas forcément beaucoup d'affaires, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, je tire au hasard, peu d'affaires, beaucoup d'affaires, c'est pas un problème. Et bah, on va aller voir dans son profil pour lui créer son petit look. En plus, j'aime bien le thème actuel, qui est celui avec les petits. Alors, voilà, c'est bat, non? Enfin bon, on va aller voir, donc on va lui créer un look différent que ce qu'elle a actuel. Donc moi j'aime bien partir sur les opposés, tu vois, quand je vois quelqu'un habillé tout en noir et blanc. Ta gueule le chat. Ah le chat il me respecte pas. J'aime bien mettre du coup de la couleur, partir sur un truc un peu plus inverse, tu vois. Donc on va aller voir un petit peu, j'aime bien cette robe. J'aime bien, bah je l'ai en bleu foncé. Mais on va voir un petit peu ce qu'il y a, peut-être trouver autre chose. On voit qu'elle aime bien le noir, hein, quand même. Hein. On voit qu'elle aime bien le noir, quand même. Bah, j'aime beaucoup ça. Sinon, j'aime beaucoup la veste. Voilà. Attends, elle est encore une page avant. Elle est là, celle-ci. Mais bon, j'ai déjà fait des looks avec cette veste, donc on va essayer de diversifier. Pour les chaussures, bah, je pense qu'il n'y a que ceux-là qui iront dans le thème, ouais. Avec la robe. Sinon, je vois pas autre chose. Peut-être d'abord les cheveux, avant les accessoires. Et... Et on va mettre... Bah, je crois qu'elle était blonde. Donc on va peut-être partir sur une autre couleur. Celle-ci est pas mal. Celle-ci est pas mal. Bon, je suis pas super fan de la coupe en soi-même. Non, celle-ci elle est mieux quand même. Celle-ci elle fait plus raffinée avec... Ah, celle-ci est pas mal aussi, mais... Non, celle-ci. On va partir sur celle-là. Et accessoires. Et une princesse. Princesse, bonjour. Eh, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. On va voir ce qu'il y a en bas. Ok, c'est sur deux pages. Après, ça pourrait être sympa aussi avec un chapeau. Ouais, on va peut-être plutôt partir sur le chapeau finalement. Ça fait un peu moins diva, ça fait un peu plus sortie entre potes ou voilà. J'ai envie de tester la veste en cuir. Elle passe, mais bon, on va faire sans. On va faire sans. Ben écoutez, je pense qu'on peut valider le premier look. Moi j'aime bien. Et comme d'habitude, on va marquer la Quinzelle et passer par là. Voilà. La prochaine candidate, donc c'est Madame Pandinou. Voilà, on va faire un petit auto comme d'habitude. Mais à chaque fois que je lance, pendant une heure, le chat il est calme. Au moment où je lance l'enregistrement, le chat il s'excite. C'est pas possible ça. C'est pas possible, petit chat. Qu'est-ce que tu fais? Moi, s'il me regarde en mode aucun respect. Bref, on va faire un look. Donc, elle a quand même niveau 23, je crois. Donc, elle a quand même pas mal de choses, je pense. Alors, elle a un look assez casual. Bah, moi, j'aime bien les looks simples. Mais on va essayer de trouver quelque chose de plus excentrique, du coup. quelque chose de plus osé. Alors, on va d'abord partir sur l'accoutrement. J'aime beaucoup cette veste. Finalement, ce sera pas aussi osé que ça, peut-être, parce que finalement, la veste là, j'aime bien. Avec ce haut-là, ça commence à être casual. J'avais dit que je voulais faire quelque chose de pas casual, et finalement, je suis en train de faire un truc casual. Mais j'aime beaucoup le look comme ça. On va tester de mettre ça en dessous. Ouais, ça passe. Quoique, sans, avec, sans, j'hésite. J'hésite. Bah, dites-moi en commentaire si je devrais mettre les collants ou pas, le temps que moi je me décide. Si d'après vous on lui... ça aurait été mieux avec ou sans. Moi j'aime bien les deux, c'est pour ça que j'hésite. Pour l'instant on va rien mettre. On va voir les chaussures qu'on met. Parce que je suis en train de lui recréer un look qu'elle a déjà porté, parce que ça va tellement bien ensemble que on dirait déjà un ensemble de base. Bon, ah, bon, y a juste le haut que tu peux mettre ce que tu veux finalement à la place. Mais ouais, non, bah, je pense qu'on va rester sur ces chaussures là, parce que ça a limite été fait pour être ensemble. Ouais, bah écoutez, les cheveux.
comme cheveux. Je crois qu'elle avait un sort de châtain. Ça, c'est cool. Voilà, peut-être prendre un truc plus original. Ça, ça va bien avec aussi. On va aller voir plus loin. On va faire la curieuse. On va faire les curieuses. Voir un peu ce qu'il y a plus loin. Bon, j'ai pas encore eu mon coup de cœur. J'ai pas encore eu mon coup. Hein, peut-être ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouais, non, je crois qu'on va partir là-dessus. Il n'y a pas vraiment beaucoup de coupes avec des franges qui sont cool. Et celle-là, elle passe crème. Alors ça, c'est quoi? Ah, bah finalement, si on prend pas les collants, on peut très bien mettre ça. Après, on peut mettre ça et ça. Hein. Bah, les deux vont bien ensemble quand même. Ouais, non, là, ça... C'est pas mal. Bon, faut que j'abuse. Là, je sais pas ce que j'ai avec les couronnes depuis tout à l'heure. Hein, mais déjà, sur le premier look, hein, j'ai failli mettre une couronne. Alors, une casquette. On peut tester la casquette. Non, il y a les cheveux qui dépassent à droite, à gauche. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Un bonnet, peut-être. Ouais, non, ça va pas avec le reste. Puis bon, un bonnet, quand elle habille en short, ça fait genre... voilà, il fait moche, il fait pas beau, mais je sors en short de chez moi avec un bonnet. Ok, les trucs de Noël. Ouais, ça c'est cool. Ouais, là c'est cool. Mon arrivée en bas. La veste là elle est cool, mais vu que c'est déjà une veste en jeans. Mais écoutez, j'aime beaucoup ce look. Ça fait genre un peu genre skateuse, je dirais. J'aime beaucoup. Dites-moi si vous aimez bien ce look là. Mais j'aime beaucoup, voilà. D'ailleurs, comme d'hab, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pris... Bon, en général, je fais 3 looks par vidéo. Mais dites-moi en commentaire lequel des 3 vous préférez. Parce que moi, j'aime bien regarder et voir un petit peu vos préférences. Voilà. Me revoilà pour le dernier look de cette vidéo. Je rappelle, comme d'habitude, hein, les gens qui participent, parce que j'ai vu un commentaire, ça parlait qu'il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, il n'y avait pas de garçons. Alors si, j'ai déjà fait des relookings de garçons. Après, ben, vu que je prends au hasard dans les commentaires, forcément, sur ma chaîne, il y a 9 filles pour un garçon. Donc voilà, statistiquement, c'est beaucoup plus facile pour moi de tomber sur une fille que sur un garçon, mais il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vraiment pour prévenir, pas que vous pensiez que je ne fais que les filles. Donc les garçons, n'hésitez pas, vous pouvez lâcher vos pseudos dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Et merci beaucoup à toi, Kat. Merci beaucoup. Bah, c'est un petit remerciement. Bah, je suis désolée, je peux pas la remercier directement sur le jeu puisqu'il est... il est un peu 4h du matin. Enfin, 3h même pas. 3h51. Il y a encore le couvre-feu. Mais merci beaucoup à toi, Kat. Gros bisous. Merci. Merci, merci. Ah. Et bah, merci beaucoup à toi, Mérieux. Bah, dis donc, ça dort pas cette heure-ci. Qu'est-ce qui se passe? Bah, merci beaucoup à toi, Mérieux, également. Gros bisous. Merci, merci. Et on part sur le relooking de la dernière personne de cette vidéo. Ben, comme d'hab, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré. On va voir un petit peu. Je pense qu'elle a aussi pas mal d'affaires. Elle est quand même assez haut niveau. Donc, vous pouvez constater, autant je peux tomber sur des personnes qui sont dans ma liste d'amis, autant ça peut être des gens qui ne sont pas dans mes amis. Il n'y a pas de problème. Tout le monde peut participer. Voilà. Alors, ok. Elle a un look comme ceci, comme cela. On va essayer de faire autre chose, quelque chose de différent. J'arrive pas à enlever les taches sur le visage. Ah bah voilà, je suis en train de me dire, ils ont fait une peau avec ça intégré dedans, ou ça se passe comment? Bon, alors, l'accoutrement. Je sais pas ce que j'ai avec les petites vestes, mais bon, je la mets comme ça, mais c'est pas sûr qu'on va rester là-dessus. Oh mais ça va bien ensemble. Ça va très bien ensemble. Bon, j'avais déjà fait un look avec cette robe-là. J'aime beaucoup cette robe, du coup. Mais bon, on essaye. Enfin, j'essaie de faire des choses différentes. Bon, tu me diras, j'ai pris la robe-là. C'est la même que la rouge du premier look. Mais je trouve que les deux vont tellement bien ensemble que ça me donne quand même envie de partir sur ce chemin-là. Bon, dans le doute, on va quand même descendre. Quoique, on va peut-être... Non, on va essayer de faire quelque chose de différent. Non, ça, je peux pas. Ouh là là, mais c'est très osé, dis donc. Mais c'est très osé. Ça nous changera si je fais un haut et puis un bas.
Mais c'est très la hausitude. La hausitude. Je vois s'il n'y a pas un haut, mais le haut là me plaît bien. Après, voilà, c'est assez. Voilà. Voilà, faut assumer hein, de sortir comme ça, mais c'est beau quand même, j'aime bien. C'est un style, comme un autre. On descend quand même, on regarde un petit peu. Mais je pense rester là-dessus. Ouais, j'hésite. Allez, bon, ouais, on part là-dessus. Ouais, non, on va partir là-dessus finalement. Et du coup, trouver un bas qui va bien avec. Une jupe, ça passe. Un short, ça passe. Peut-être un truc long, parce que si elle a déjà le haut qui est assez, on va dire, dénudé, on va peut-être faire un truc un peu plus habillé en bas. Un pantalon. Ça m'a l'air cool. Ça, c'est cool, mais je sais pas si c'est pas mieux quand même l'autre avec les trous. Parce qu'il est un peu plus haut, il est un peu plus taille haute. L'autre, c'est un taille basse, et vu que c'est quand même déjà pas mal, voilà, on voit quand même pas mal de bouts de peau hein, en haut, de chair fraîche, donc on va se calmer. Mais on va voir en bas si on trouve pas autre chose. Celui-là il est sympa aussi. Celui-là, il est cool. Il est un peu, peut-être même un peu plus original, et c'est vrai qu'avec les trous, ça le faisait un petit peu moins. Non, j'ai envie de tester. Il est sympa le jeans là. Mais on va partir sur l'autre. On va partir sur celui-ci parce que c'est vrai qu'avec les trous ça fait moins chic et avec cette veste là, la veste là est vraiment chic, elle est vraiment glamour et mettre un jeans à trous ça le fait pas trop. Non mais je pense que ça sert à rien d'aller chercher plus loin parce que voilà j'ai eu mon petit coup de cœur sur ce pantalon. Donc ça restera ce pantalon là et les chaussures qui vont avec. Bah c'est vrai qu'on pourrait mettre des baskets mais je suis pas fan. Franchement elle est trop bien habillée pour mettre des baskets. Celui-là, elles sont super belles, mais la lanière qui va sur le jeans, je suis pas fan. Faudrait que ça aille en dessous, mais ça va au-dessus malheureusement. Mais sinon, franchement, ça aurait été mon choix si la lanière aurait été en dessous. Mais du coup, on peut partir aussi sur quelque chose de ce style-là. Dommage que le rouge n'est pas un tout petit peu plus clair pour être un peu plus en accord avec la veste. Mais on va voir si on ne trouve pas encore autre chose. Pas encore tomber sur quelque chose qui irait. Bon, j'aurais préféré peut-être, ouais, effectivement, sur quelque chose de rouge. Parce que ça ferait trop de blanc, sinon. Bah, ceux-là, ça va. Ça va. J'ai pas un énorme coup de cœur sur ces talons, mais c'est ce qui convient le mieux. Jusque maintenant, je ne trouve rien qui pourrait remplacer ces chaussures-là. Soit quelque chose de rouge. Enfin, ouais, non, on va rester là-dessus, sur les talons rouges. Mais c'est pas fini, puisque, voilà, la pauvre, elle est chauve. Cette coupe est cool. Ça fait genre un peu top modèle des années 70, non? Vous trouvez pas? Allez, cool, c'est original. Bon, on va voir s'il n'y a pas autre chose. C'est vrai qu'elle me plaît bien. Elle est originale. Je sais que vous n'allez pas tous aimer, hein, vous connaissant. Il y en a qui m'ont pas trop aimé. Mais je trouve ça original. Bon, on va voir. Et si on partait sur des... Non, ça ferait trop de rouge, non. Non plus... Ouais, cette coupe-là, je l'utilise trop souvent. On va partir sur autre chose. Ça va bien avec aussi. Ça passe. Mais il peut mieux faire. Ça, c'est cool. Ouais, non, mais ça, c'est cool. Est-ce que vous pensez qu'elle existe, cette coupe-là, mais sans les chignons? Juste comme ça, juste simple. Parce qu'elle le ferait. Oh là, la bohème. La bohème. Nanana. Nanana. Là, on descend un peu plus bas. Non, mais je pense que... Ouais, non, ça, c'est mon petit coup de cœur sur cette coupe-là. C'est vrai que sans les chignons, ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Un petit peu plus classe. Mais bon, on va rester du coup sur celle-ci. Peut-être qu'on trouvera un accessoire pour les cheveux qui cacherait un petit peu tout ça. Ouais, non, on va voir au niveau des accessoires. Non plus. Ouais. Ah. Ça, je valide. Je pensais que c'était sur les joues, mais c'est des boucles d'oreilles. Mais les boucles d'oreilles, c'est bien, mais le problème sur MSP, c'est que souvent ça va par-dessus les cheveux et ça rend bizarre. Non, là, c'est un peu blanc par rapport à la peau.
Et si je mettais les lunettes à la place du nœud? Ouais, j'aime pas trop. Je suis pas fan. Au pire, s'il n'y a pas d'accessoires sur les cheveux, ça dérange pas. On va voir, hein. On peut encore peut-être trouver quelque chose. Si on met ça. Le truc qu'il a avec tout. Dans tous les looks, machin là, il passe. Il passe crème. Les tatouages, ça sert à rien parce que là, elle a. Enfin, quoique, si, un peu sur les avant-bras. On pourrait mettre un tatouage sur l'avant-bras. De manière au niveau des. Ouais, là par exemple celui-ci. Ouais, elle est stylée. Elle est stylée. Elle est méga stylée. Bah écoutez, je pense qu'on va la laisser comme ça. Je veux pas non plus là. Ouais, franchement, bon, j'ai mis du temps à faire ce look, mais il est vachement cool. J'aime beaucoup ce look. Je pense que vous en pensez. Il est vachement chic. Carzelle est passé par là. Ben, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez tenter d'apparaître dans le prochain relooking, il faut mettre votre pseudo en commentaire sous la vidéo. Et comme d'habitude, je tirerai 3 personnes au hasard dans les commentaires. Voilà, donc sur ce, moi je vous laisse. Je fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao ciao, portez-vous bien. And you all wanna be round, round a champion, champion.